a vu arriver une danse renversée. Moi, je faisais du foot, alors. Moi, la danse était loin de moi. Jamais je pensais que j'allais faire de la danse un jour. Mais j'ai vu arriver ce truc-là, c'était incroyable, quoi. On voyait les gens danser, au lieu de danser sur les pieds, danser sur la tête, sur les mains, danser au ralenti, danser comme des effets spéciaux. C'était quelque chose de magique. La danse hip-hop a bousculé la danse contemporaine. Au moment où on a commencé à apparaître sur scène, c'était un moment clé par rapport à l'histoire de la danse. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment où la danse contemporaine commençait à s'essouffler. Puis le hip-hop est arrivé avec du sang neuf, avec une espèce d'énergie comme ça que la société avait besoin, pas seulement dans les quartiers. Je pense que c'était une envie du public aussi, à une certaine époque, de voir sur scène autre chose qu'une danse qui est trop cérébrale. De voir des jeunes, je pense, sur scène et qui dansaient avec le sourire, une danse très, très faciale, très chaude, très virtuose. Je pense qu'elle avait besoin de ça. C'était infaisable à l'époque d'imaginer que la danse puisse évoluer à un tel niveau et qu'elle puisse toucher autant de monde. À l'heure actuelle, j'y crois toujours pas parce que à la base, on était des danseurs de rue, on dansait sur du carton. Et là, maintenant, on se retrouve dans des arénas avec 15 000 personnes, 20 000 personnes, dans des salles de théâtre qui sont quasiment complètes quand il y a des compagnies hip-hop.